Parce qu'ils sont en train d'empêcher les manifestants qui vont à la réponse. Ils ont blessé toute personne avec des cailloux. Des louvats qui ont blessé les gens. Je ne peux pas terminer. Hein? Ils n'en font pas. Ils n'en font pas. Arrêtez ça. On ne peut pas parler ici. Celui qui a fait parler ici, on va le faire arrêter. Arrêtez ça là. Vous n'avez quel problème? Vous attaquez les gens. Ils sont en train d'aller manifester. Mais arrêtez ça. Il y a pas là partout ici. Il y a pas là partout. Pas là partout. Ne le laissez pas. Ils sont en train d'attaquer les gens. Merci. Merci. C'est bon, vous faites attaquer, Dieu vous bénisse. Protégez-les. Merci. Protégez-les. Merci. Protégez-les. Les gens sont en train de casser tout ici. Arrête. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas intimider. On n'agresse pas chez nous ici. N'agressez personne ici. Nous n'acceptons pas qu'on agresse les gens ici. N'agressez personne. N'agressez pas. Après, ils vont venir mettre ça sur nous. Ah, ça, tu sais qu'après, ils vont venir mettre ça sur nous. N'agressez personne ici. Si vous agressez les gens, il ne faut pas accepter. Hein. Ils vont nous créer des problèmes. N'acceptez pas qu'on agresse personne ici. N'agressez personne. Si vous voulez agresser là, et si ils veulent agresser, on n'accepte pas. Ils vont nous créer des problèmes ici. N'agressez personne ici. On n'accepte pas qu'on agresse quelqu'un ici. Si vous avez fait, on va sortir contre vous ici. Regarde comment ils ont cassé les cars là. Hein? N'agressez personne ici. On ne sait pas qu'on agresse les gens. Nous sommes les mêmes. Ils vont venir nous attaquer pour dire que c'est nous qui agressé les gens. Ah, c'est chaud ici, à Djamé ici, c'est chaud. On a Djamé Pont Ferraille actuellement. Ça chauffe. Les gens sont en train d'agresser. Ça chauffe actuellement à Djamé Pont Ferraille. Papa. Les vagabonds sont venus agresser les gens. Il faut détruire. Nous, on va avoir problème ici. On va pas accepter qu'on agresse quelqu'un ici. Ils sont en train d'aller accueillir les présidents. Pourquoi vous les agressez? Vous les agressez là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Regarde comment ils ont cassé carreaux des choses là. N'acceptez pas. Nous, on ne va jamais accepter que vous allez agresser les gens ici. Nous, là, nous ne sommes pas les agresseurs. Donc, on ne va pas accepter ça. Ni aujourd'hui, ni demain, on ne va pas accepter ça. Les voici.
Hey Sam, ils peuvent rien faire. Filmez, ils peuvent rien faire. On va vous filmer. Si vous agressez les gens, on va vous filmer. On va vous filmer, vous agressez, on va vous filmer. Aujourd'hui, on va vous filmer demain. Vous ne pouvez rien faire. Ici, là, si vous vous amusez là, on va vous mettre à votre place. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose ici. On va vous filmer demain, après demain. Vous agressez les gens qui sont en train de accueillir Bago. Vous avez quel problème? Laissez-les, ils vont aller accueillir. C'est chez nous, si vous voulez venir faire votre agression, des voleurs comme ça. C'est-à-dire qu'ils se sont apprêtés seulement pour agresser les gens seulement. Ici, là, s'ils viennent, sortez tous, tout le monde. On va les montrer qu'ici, là, on n'agresse pas. Il n'y a pas de voleurs ici. Il n'y a personne qui vole chez nous ici. Donc, on ne va pas accepter les agressions. On n'accepte pas ni aujourd'hui ni demain. Si vous voulez agresser là, allez agresser ailleurs. Ce n'est pas ici. Voilà, comme je vous disais, c'est les partisans de Laurent Gbagbo qui partaient à l'aéroport. Et il y a des groupes qui sont venus les attaquer. Voilà, avec des gourdins, des couteaux, en tout cas des bois. Il y a des policiers qui étaient là, postés là. Voilà, ils ont tenté de sauver ces gens-là. Dieu merci que tout est rentré en ordre. Ils ont failli s'apprendre aux mécaniciens qui sont au bord de la route. Voilà, qui les empêchaient de faire l'agression.